va commencer dans quelques instants, parce qu'il est 18h02. Voilà. Alors, il y a quelques excusés aujourd'hui. Il y a Madame Nicole Parisot qui est excusée, qui donne son pouvoir à Jean-Philippe Rameau. Il y a Thierry Valineau qui est excusé, qui donne son pouvoir à Perrine Delon. Et Mathilde Chambier qui arrivera dans une dizaine, 10 minutes, un quart d'heure, donne son pouvoir en attendant à Valentine Collin. Je voulais saluer l'arrivée au sein du conseil municipal de Madame Catherine Claire en lieu et place de Madame Mulkowski. Donc, bienvenue pour cette arrivée. On pourrait fermer les rideaux, là, parce que c'est pénible. Ouais. On va passer à la validation de l'ordre du procès-verbal de la dernière séance. Est-ce qu'il y a des remarques par rapport à ce procès-verbal? S'il n'y a pas de remarques, qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté à l'unanimité. Merci. Secrétaire de séance, la dernière fois c'était M. Bois et M. Jaillet. Je proposerai Madame Marie-Pierre Maillard et M. Hélin comme secrétaire de séance. Merci. Et on va passer à la délibération numéro 1. Donc c'est rapport d'observation définitive relatif au contrôle des comptes de gestion de la ville de Lons dans le cadre de l'action Cœur de Ville. Donc la Chambre régionale des comptes de Bourgogne-Franche-Comté a contrôlé, dans le cadre de l'examen des comptes et de la gestion de la commune, le projet local Action Cœur de Ville. Au terme de cet examen, et conformément aux dispositions des articles L243-5 du Code des juridictions financières, elle a communiqué à la ville ses observations définitives sous forme d'un rapport d'observation par courrier reçu le 25 mars 2022. Il convient désormais, en application des dispositions de l'article précité du Code des juridictions financières, de porter à la connaissance du Conseil municipal ce rapport définitif. Après avoir pris connaissance de ces documents qui ont été joints à la convocation adressée à chacun des conseillers municipaux, Monsieur le maire propose de débattre de ce rapport comme inscrit à l'ordre du jour de la séance. Monsieur le maire précise qu'à l'issue du débat tenu en conseil municipal, le rapport devient communicable à toute personne qui en ferait la demande, conformément aux dispositions de l'article R243-14 du Code des juridictions financières. Il vous est proposé donc de prendre acte de la communication des observations définitives formulées par la présidente de la Chambre régionale des comptes de Bourgogne-Franche-Comté, transmises à la ville le 25 mars 2002, et portant sur l'action Cœur de Ville. Voilà, donc c'est un document assez important, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de pages. Je pense que vous l'avez lu avec attention. Je vais quand même faire un petit résumé, même si ce n'est pas très facile de tout résumer, parce que c'est très riche en éléments. Donc la ville de Lons a reçu de la Chambre régionale des comptes le rapport d'observation sur le projet Action Cœur de Ville. Un petit rappel des attendus du dispositif Cœur de Ville. Ce projet a pour vocation de préparer à la transition écologique et énergétique, repenser la densité urbaine, les formes de mobilité, développer le commerce. Le ministère demandait à intégrer plusieurs enjeux, tels que faire revenir des ménages dans les logements de centre-ville, renforcer le tissu commercial, améliorer la qualité de vie, soutenir la vie locale. Je me permets de rappeler qu'il s'agit là, par ailleurs, de 4 priorités de notre programme municipal sur lesquelles les habitants de la ville se sont prononcés en mars et juin 2020. Avant d'entrer dans le détail de ce rapport, petite infographie sur notre ville à la date de 2018. Le QPV donc, représente 21% de la population. L'indice de vieillissement est plus élevé que la moyenne nationale, 128 contre 80,9 pour le Jura. Le revenu médian de la population lédonienne en 2018 est de 19 650 euros, montant inférieur au niveau national qui est à 21 730 et inférieur au niveau régional, 21 480. Le taux de pauvreté est 21% en 2018, une moyenne de 17,8% dans les villes moyennes, 14,5 au niveau national et 12,9 en Bourgogne-Franche-Comté. Le taux de chômage des 15-64 ans est de 14,6% en 2018. Idem en France, 13% sur la région Bourgogne-Franche-Comté. La ville de Lons a donc fait acte de candidature pour cet appel à projet national.
plusieurs remarques sont relevées dans ce rapport, à savoir que la ville n'entrait pas dans le dispositif du fait de sa disposition inférieure, sa population pardon, inférieure à 20 000 habitants, mais que le fait que l'agglo arrive à 34 000 habitants, ça a permis l'intégration dans ce dispositif, puisqu'actuellement il y a aussi Montmoreau qui en fait partie. La municipalité d'alors n'avait transmis qu'un simple courrier de candidature, sans fournir de dossier argumenté. En amont de cette candidature, aucun diagnostic ou de projet de territoire n'avait permis de clarifier, pour les partenaires comme pour la population, les enjeux d'un tel programme. Et élément aussi à relever, c'est qu'aucune des deux assemblées délibérantes, ni l'agglomération, ni la commune n'ont été consultées. Les conventions cadres qui font suite à l'intégration de l'appel à projet n'ont fait l'objet d'aucun rapport, ni aucune délibération. Pourtant, il s'agit là d'une obligation légale. Une fois la convention cadre signée en juin 2018, les dotations, subventions émanant de l'État, des ETR, des CIL, FNADT, ont été notifiées par des versements. Mais parmi ces financements, une enveloppe a été orientée au recrutement d'un chargé de mission, chef de projet. Ce recrutement a tardé, puisque le recrutement s'est fait qu'en janvier 2020, soit 18 mois après la signature de la convention cadre. Ce poste a été complété par le recrutement en mars 2021 d'une responsable de développement commercial et artisanal pour répondre à un des enjeux de l'OPA-RU, développer le tissu commercial. Toujours selon la Chambre régionale des comptes, les nombreux manquements en fiche action projet conduisent donc à l'impossibilité de dresser un bilan de l'action cœur de ville. En effet, seulement 59% des actions initialement projetées par la commune sont encore en cours de réalisation. La CRC estime par ailleurs que 25 à 30% des actions ne verront pas le jour. La CRC écrit que sur la période 2017-2020, il est difficile de connaître la réelle volonté de la commune de faire aboutir la redynamisation de la ville-centre et de démobiliser autant les porteurs de projets que les financeurs. Enfin, toujours selon la Chambre régionale des comptes, et toujours sur cette même période 2017-2020, aucun bilan financier exhaustif des réalisations n'a pu être réalisé. Ceci empêche de connaître le montant des investissements réalisés dans la démarche dans sa globalité. Il est noté également les nombreuses actions menées, financées et pour lesquelles aucun projet n'a vu le jour. Toutefois, et maintenant que l'ONS a intégré l'opération, nous devons mener à bien les actions pour lesquelles nous avons été financés. Et la nouvelle municipalité, sous l'égide de l'agglomération, et avec l'appui d'Anne Perrin, Jean Guillermo, et également la municipalité de Montmoreau qui rentre dans l'opération ORT, tout se met en place pour doper cette opération. Aussi, et au regard de ce rapport très bien détaillé et qui relate des prises de décision sans diagnostic ni orientation précises par l'ancienne équipe, nous devons de répondre aux recommandations de la Chambre régionale des comptes. S'agissant de la recommandation numéro 1, rattacher l'équipe projet Action Cœur de Ville à la Direction générale des services et lui donner plus de visibilité dans l'organisation. Un lien régulier entre la Direction générale et le chef de projet a été mis en place. Depuis le mois de novembre 2021, une fois par mois, le comité technique Action Cœur de Ville se réunit pour traiter des dossiers rattachés à ce programme et pilotés par le chef de projet. Ce comité est composé par M. le maire, Mme Perrin, adjointe chargée du programme, M. Guillermo, adjoint des opérations rattachées, M. Patrick Mich, directeur général des services, M. Laurent Vichard, directeur général adjoint des grands projets aménagement durable, Mme Berton, directrice de l'urbanisme et de l'habitat cadre de vie, et bien sûr, M. Adrien Lavier, chef de projet Action Cœur de Ville. Un lien régulier est assuré entre la direction générale et le chef de projet, tout en restant sous l'autorité d'une direction. En lien avec cette précédente recommandation, la numéro 2 précise, conformément à l'article 4 de la Convention, réunir plus régulièrement le comité de projet local, dans lequel siège notamment M. le préfet, le DDT. Donc ce comité s'est réuni trois fois en 2021, le 16 février, le 28 juillet et le 8 décembre. Et il est prévu de se réunir trois fois en 2022, début juillet, au mois de septembre et au mois de décembre. Ce rythme qui est convenu en accord avec la préfecture convient par rapport à l'avancée des projets et aux travaux accomplis par les services. Recommandation numéro 3, arrêter un diagnostic du territoire complet avant le 31 décembre 2021, prenant en compte le résultat des études lancées après la phase de déploiement. Une étude a été lancée en septembre 2021 avec l'ODAB pour re-questionner les différentes thématiques du programme Action Cœur de Ville. Il s'agit d'articuler les réflexions autour des sites mutables sur la base des études déjà réalisées, dont l'étude préopérationnelle menée par Solia Jura en 2020, ou encore l'étude Ville Nature.
En 2021, la Banque des territoires a par ailleurs financé la réalisation d'une étude flash sur les sites mutables. L'étude de l'ODAP s'inscrit dans sa continuité. La phase diagnostique est en cours d'achèvement. Le rendu de la deuxième phase de définition des scénarios d'organisation urbaine de la ville est attendu pour cet automne. Recommandation numéro 4, arrêter un véritable projet de redynamisation du territoire et rédiger un avenant numéro 2 à la convention cadre permettant de clarifier pour les partenaires l'état d'avancement du projet. À l'issue de l'étude menée par l'ODAM, la ville disposera d'un état des lieux mis à jour et de recommandations fondées sur les orientations politiques de la municipalité. Elles définiront ainsi un nouveau projet de redynamisation. Parallèlement, le programme Action Cœur de Ville a été prolongé jusqu'en 2026. À l'issue de l'année 2022, fin initiale du programme, il sera donc nécessaire de rédiger un nouvel avenant à la convention cadre pour couvrir la période 2023-2026. Ce sera l'occasion d'intégrer dans ce nouveau projet de redynamisation les éléments qui auront été donnés par les études dont on aura les résultats et d'établir une feuille de route à déployer d'ici la fin du mandat. Recommandation numéro 5, établir une fiche action complète pour toutes les opérations matures du plan Action Cœur de Ville et construire un tableau de suivi conforme aux préconisations du guide national. Des fiches actions ont été mises à jour, notamment sur l'aménagement du pôle d'échange multimodal, l'aménagement du parc entier, la construction de la cité des sports, et un certain nombre aussi que vous avez pu lire dans le document. Et enfin, la recommandation numéro 6, constituer le comité d'évaluation locale. La convention cadre et son avenant n'imposent pas la création d'un tel comité. Sa composition suggérée dans le guide national est la même que le comité de projet. Ainsi, il apparaît plus pertinent de faire état à chaque réunion du comité de projet de l'avancement et de l'évaluation plutôt de créer une commission ad hoc multipliant les instances et le temps consacré à les organiser. Un travail plus approfondi sur l'évaluation doit être engagé en attribuant les critères de suivi et d'évaluation à chaque projet. Charge au chef de projet Action Cœur de Ville de le mettre en œuvre pour tous ses projets, y compris ceux qui ont été initiés, voire réalisés lors de la précédente mandature. Et donc la numéro 7, animer une concertation sur le projet de redynamisation auprès des partenaires et de la population. Les partenaires du programme sont associés étroitement par des relations très soutenues avec le chef Action Cœur de Ville et par leur participation aux réunions comités de projet. La constitution du nouveau projet de redynamisation fait l'objet de concertations avec des acteurs du territoire, avec laquelle l'ODAM et les chefs de projet Action Cœur de Ville ont échangé. Les outils et les instances de concertation mis en place par la ville, référents de quartier, plateformes participatives, pourront être, et les réunions de quartier, bien sûr, pourront être utilisées pour ces échanges. Voilà un résumé, même si c'est compliqué de résumer 50 pages. Voilà, est-ce que vous avez des éléments, des commentaires à faire, des questionnements ? Monsieur le maire ? Oui, quand on a préparé en équipe ce conseil municipal, on s'est dit, tiens, sur ce point-là, ce rapport d'observation, on arrivera à avoir une certaine unanimité en dehors de toute polémique. Alors effectivement, quand on demande quand la Chambre régionale des comptes, avec un PTS, mais pas des comptes au sens aristocrate comme dans la délibération, enfin noblesse surtout, forcément, elle trouve des choses qui ne vont pas, parce que c'est une évaluation, il y a des choses qui ne sont pas forcément complètement dans les clous. Mais bon, c'est un drôle d'état d'esprit, c'est un peu désagréable. Franchement, on pensait que c'était une délibération qui allait passer en 3 minutes, et puis on allait même rien dire. Et puis je dirais que la meilleure défense pour vous, c'est l'attaque, parce que franchement, il y a des... Je ne vais même pas dire qu'il y a des torts partagés, parce que le rapport, il pointe des retards actuels avec des causes partagées, un défaut de pilotage actuel, il y a des marges de progrès, puis vous dites que vous avez jusqu'en 2026 pour préparer tout ça. Moi, ce que je retiens aussi de ce dossier, c'est que la ville ne rentrait pas complètement dans les clous pour l'action Cœur de Ville. Et l'action de Jacques Pélissard a permis qu'on rentre dedans. Alors effectivement, il n'y a peut-être pas de dossier de diagnostic. Alors tout de suite, vous êtes inquiet par rapport à l'obligation légale, on a déjà entendu parler de ça. Mais il n'y a pas de souci avec l'obligation légale, si personne ne dépose plainte. C'est un peu comme pour le CCAS, on en a déjà parlé. Donc, c'est votre priorité, effectivement. Là, vous maintenez le cap sur quelque chose qui a été mis en place par l'ancienne mandature.
La seule chose qui nous surprend, alors que c'est votre priorité, c'est vous déléguer à un tiers de qualité, hein, qui est Solia. On en a parlé en conseil d'agglo, d'ailleurs on a voté à délibération. Vous déléguez à un tiers le travail. La chose qui est un peu cocasse, c'est que Solia, c'est le département. Donc quelque part, vous déléguez la gestion de votre priorité au département qui, politiquement, n'est pas forcément, du même bord. Bon, voilà, c'est la seule chose qu'on voulait dire. J'ai plus dit qu'on avait l'intention de dire, mais on votera c'est une prise d'acte, oui, on prendra acte du rapport. Monsieur Wélin. Oui, monsieur le maire, chers collègues, bonsoir à tous. J'ai effectivement le même sentiment que Christophe, a priori, sur ce dossier, puisque il enjambe en quelque sorte la fin du précédent mandat et le nouveau. Je voudrais rappeler quelques éléments. Trois m'ont paru intéressants sur ce dossier. D'abord, effectivement, le fait que l'ONS se soit raccroché à un dispositif national pour lequel elle n'est pas prioritairement destinataire, puisqu'on est une petite ville moyenne et que ce dispositif a été pensé pour les villes moyennes. On est une petite ville moyenne dans une petite agglomération. Donc c'est vrai qu'on est, pour l'État et pour les découpages nationaux, on est un peu toujours un peu à la marge. Pour autant, effectivement, il y a une grande réactivité de l'ONS pour répondre à ce dossier au départ, initialement, sachant qu'il y avait beaucoup d'inconnus. Moi, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette période. C'était, je crois, à la fin 2017, début 2018. On ne savait pas trop dans quoi on s'engageait, puisque c'était encore assez flou. Et il y a eu la volonté de Jacques Pélissard de se saisir de ce dispositif, quand bien même on en ignorait assez largement les contours. Pour le reste, et sur le fond, l'ONS ne paraît pas d'ailleurs la commune la plus touchée par le dispositif, en tous les cas la plus prioritaire, puisqu'elle a bien résisté justement au phénomène négatif qui touche les petites villes moyennes en France. On a bien résisté sur le commerce de centre-ville, au prix et grâce à des choix politiques qui ont fait qu'il y a eu un refus de l'accentuation du nombre de grandes surfaces. Et puis, on a la chance d'être une ville-préfecture, ce qui nous fournit quand même beaucoup de services et de directions et les emplois qui vont avec. Sur ce dispositif qui met en place des relations entre la commune et l'État, moi, je veux rappeler l'interrogation qui a été levée que progressivement sur le cadre de ce dispositif. C'était un dispositif de plus, auquel cas il est toujours bon d'être dedans sans nécessairement en attendre des miracles. Soit, et c'est finalement le cas, c'est un programme un peu plus ambitieux parce qu'il vise effectivement à faire travailler des services et des domaines qui n'ont pas véritablement l'habitude de travailler ensemble. Et en ce sens, c'est assez pionnier et c'est bien que nous soyons dedans et ça nous oblige aussi à révolutionner nos pratiques. Ici, cette étude de la Chambre régionale des comptes, elle vient un peu a posteriori, enfin elle vient à mi-temps en quelque sorte, puisqu'effectivement le dossier est prolongé jusqu'en 2026. Moi, je pense qu'il faut rappeler aussi que les collectivités qui ont été destinataires n'étaient pas nécessairement outillées en termes d'ingénierie, et donc on l'a vécu, puisqu'on a eu du mal à recruter la personne adéquate pour mener ce projet. On n'a pas été les seuls, hein, il y avait 222, je crois, communes concernées. On n'a pas été la seule à avoir autant de difficultés. Donc c'est vrai que de mettre en place des dispositifs au niveau étatique, c'est bien, mais faut-il aussi que les collectivités soient capables, et les personnels, parce qu'on ne les a pas à demeure en permanence, mais de pouvoir recruter, on a eu un peu de mal, ce qui explique effectivement cette difficulté. Il y a un côté un petit peu technocratique dans le dossier qui nous est remis, mais c'est inhérent aux travaux de la Chambre régionale des comptes. Sur le dossier, effectivement, on a des recommandations qui sont de forme auxquelles vous avez répondu. Hein, les recommandations 1, 2, 5, 6 ne me paraissent pas véritablement d'une grande importance, même s'il est toujours meilleur de respecter les règles, bien évidemment. Moi, je me posais plus de questions. Vous en avez un petit peu parlé, mais peut-être un peu rapidement, et je n'ai pas bien compris l'orientation que cela prenait. Sur les recommandations 3, 4 et 7 dans une moindre mesure. Les recommandations 3 et 4 me paraissent intéressantes parce qu'elles sont véritablement stratégiques sur ce que la ville entend faire. Sur le diagnostic,
J'ai cru comprendre qu'il y avait effectivement une étude en cours. Ce diagnostic, il implique, selon l'intitulé, un projet de territoire pour la commune. Moi, j'ai appris à cette occasion qu'il était souhaitable que la commune se dote d'un projet de territoire. C'est quelque chose que je connaissais bien pour l'agglomération, mais pas du tout pour la ville. Je trouve qu'il est un peu dommage, finalement, que la ville se repose effectivement sur une étude d'un organisme extérieur, sachant que ce qu'on a pu faire pour l'agglo, on pourrait très bien le faire pour la commune. Ça demande effectivement une mobilisation des élus, des services aussi, mais je pense en tout premier chef des élus, je crois l'avoir un petit peu montré pour le projet de territoire de l'agglo. Et je pense que c'est bien que les responsables politiques s'emparent de ce dossier, que cela ne reste pas finalement dans un langage un peu abscon et technocratique, mais que cela puisse être fait, écrit par des élus. Je pense que dans l'objectif qui était celui d'une façon par la population de se saisir de ce dossier, ça serait la meilleure des choses. Et donc en rester à une étude extérieure, ça ne me paraît pas la meilleure des choses possibles. Je pense, enfin, en tous les cas, moi je serais disposé à travailler dans ce cadre-là. Je pense qu'il serait bien que si la ville doit faire un projet de territoire, que les élus puissent le faire. Ensuite, il y a une question qui est posée sur la programmation budgétaire. Vous n'y avez pas répondu. Est-ce qu'il y aura des fléchages précis dans le prochain budget sur l'action cœur de ville? Il y a aussi la mise en cause, je veux quand même le dire, quitte à fâcher un petit peu, de critiques qui ne sont même pas larvées, qui sont assez inhabituelles de la part de la Chambre régionale des comptes, qui dit, je la cite, « L'absence d'une programmation dédiée à cette démarche peut expliquer pour partie que la commune ait aujourd'hui fait le choix d'abandonner ou de reporter s'inédier des projets en cours de phase de déploiement. » Et on note ici le musée des Beaux-Arts, l'hôtel de ballet, le complexe de la clinique Jura rue Louis-Rousseau, la modernisation de la salle de chaîne. Et il ajoute « L'abandon ou le recalibrage actuel de certains projets peut brouiller la perception quant à la réelle volonté de la commune de faire aboutir la redynamisation de la ville-centre et démobiliser autant les porteurs de projets que les financeurs. » Donc je crois qu'ici, par rapport à cette critique assez vive quand même, mais qui repose effectivement sur des faits, j'aurais aimé que vous ayez une réponse plus précise et plus politique, plutôt que la lecture du texte que vous nous avez donné, qui ne répond, il me semble, pas véritablement à cet enjeu stratégique. Je pense qu'il faut se saisir de ce dossier d'une façon plus politique et un peu moins technique que nous le faisons actuellement. Voilà, c'était la seule petite critique, mais bien sûr, je prends acte avec joie. C'est toujours très plaisant d'avoir un regard extérieur sur l'action que nous pouvons mener. Merci, M. Bois et M. Boëlin, pour vos remarques. S'appuyer sur des éléments extérieurs, une étude extérieure, ça n'a rien de choquant pour un projet comme ça. Et je vous rappellerai, par exemple, l'ODAM s'appuie aussi sur la population, interroge la population pour faire son étude. Deuxièmement, quand la CRC parle d'absence de diagnostic, c'est bien cette absence de diagnostic dès le début qui a créé des problèmes et des retards dans le projet, et l'absence aussi d'embauche d'une personne dédiée à un vrai chef de projet. Quand vous dites que la ville a mis du temps comme d'autres villes, il y a quand même bien d'autres villes qui ont mis en place des chefs de projet, sachant qu'en plus c'était financé à plus de 50%. Et je pense que mener à bien un projet comme Action Cœur de Ville sans chef de projet, c'était impossible. Et c'est vrai que nous, quand on est arrivé, ce que j'ai lu, c'est les constats de la Chambre régionale des comptes. Hein, c'est pas moi qui le dis, c'est la Chambre régionale qui le dit. C'est vrai que l'absence de diagnostic de départ, l'absence de chef de projet, fait que pendant 2 ans, l'action cœur de ville sur la ville de Lons n'a pas avancé. Et en interne, on n'avait pas les moyens de faire, si vous dites qu'il fallait faire en interne, il n'y a pas les moyens humains en interne de mener ce projet. Je pense qu'il y a un gros travail à faire sur l'urbanisme. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a près de 1300 logements vacants sur la ville de Lons. Donc dire que la ville de Lons est plus protégée que les autres, je crois pas. Je crois que c'est un constat qui est mené, qu'on avait déjà mené nous pendant la campagne et qui a été mené, qui est aussi mené actuellement par les agences immobilières hein, quand on les interroge. Donc il y a un gros travail à faire et je pense que l'action cœur de ville est indispensable pour aller dans ce sens-là, même si c'est des projets longs. Et le retard qu'on aura pris au départ, eh bien, on ne pourra jamais le rattraper. Et en fait, heureusement que l'action cœur de ville a été prolongée jusqu'en 2026, parce que sinon, si ça s'était arrêté au 31 décembre 2022, c'est vrai qu'on n'aurait pas eu le temps de faire beaucoup de choses. Quant à Solia, je ne sais pas si Solia est attachée au département ou pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler avec des gens compétents. Non, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de travailler avec des gens compétents.
L'essentiel, c'est ça, pour la collectivité, pour nous, pour l'intérêt général. Et je pense que Solia a fait preuve par le passé de ses actions positives, et je vois pourquoi on aurait cherché à travailler avec quelqu'un d'autre. Moi, j'ai absolument aucun problème avec Solia. Et puis les obligations légales, ben, je pense que c'est quand même bien de les respecter, parce que si les collectivités ne respectent pas les obligations légales de transmettre certaines informations, soit au conseil municipal, soit au conseil communautaire, c'est la porte ouverte à faire n'importe quoi. Donc je pense que quand c'est marqué noir sur blanc qu'il faut rendre des comptes au conseil municipal ou au conseil communautaire, c'est bien de le faire. Voilà. Tu veux compléter ? Oui, merci. Je vais compléter parce que je ne suis pas une habituée des interventions polémiques, mais en fait, je vis assez mal les critiques qui fusent là. Je vous rappelle quand même, quand on lit le rapport de la Cour des comptes, premièrement, pas de dossier de candidature argumenté, deuxièmement, pas de diagnostic, troisièmement, pas de projet de territoire, quatrièmement, pas de consultation du conseil municipal et du conseil d'agglo, ni sur l'adhésion au dispositif, ni même sur la convention cadre, alors que celle-ci est engagée sur des moyens humains et financiers pour piloter et mettre en œuvre le programme. Aucun élément sur la programmation budgétaire, une embauche d'un chargé de mission qui arrive 2 ans après. Je redis un peu ce que dit Monsieur le maire dans un raccourci, mais quand même, c'est pas rien. Vous nous parlez de Solia. Solia, vous aviez engagé les 3 seules études que vous aviez engagées sur un simili de diagnostic, enfin un début de diagnostic. C'était vous qui avez engagé sur le Solia, notamment études sur l'habitat, pour la définition de la politique habitat privé d'éclat et la transformation du périmètre cœur de ville en opération de revitalisation du territoire. En octobre 2019, une étude de cadrage opérationnel pour l'aménagement des îlots des Salines, de Solia encore, une étude de faisabilité pour l'aménagement de l'école Briand qui a été suspendue en cours. Voilà, 3 études, trois de Solia, donc ne nous faites pas la critique de ce travail avec cette agence, où vous avez été les premiers à travailler avec, et c'est très bien, et on est très content du travail fourni. Depuis 2020, puisque les éléments diagnostiques ne sont pas présents, on a effectivement engagé des études complémentaires pour pouvoir travailler sur ce diagnostic et ce projet de territoire. Donc j'aimerais bien ne plus jamais entendre la question de la nouvelle majorité fait des études, mais ne met pas en œuvre. Les études, elles auraient dû être faites avant la signature de l'action cœur de ville. Quant à quoi vous dire encore, c'est déjà pas mal. Vous dire aussi que l'année dernière, nous sommes rendus avec M. le maire sur les rencontres nationales des actions cœur de ville, de l'action cœur de ville à Paris. Moi, j'ai été très amère de voir qu'aucun élément, aucun projet n'était remonté au niveau national parce qu'on était à la bourre sur tout. Donc effectivement, on a été, je pense, la seule ville sur les 200 et quelques à ne pas être en capacité de présenter aucun projet. Voilà, le retard, il est rattrapé. Je vous garantis que ça ne travaille pas, c'est bien plus que ça. Adrien Lavier travaille énormément. Voilà, le bilan, il vous appartient principalement. Et pour l'instant, ce qui est plutôt en ordre de marche, c'est ce que nous avions mis en œuvre depuis maintenant 2 ans. Merci, Anne. Oui, Sophie Olbinski. Prends un micro. Non, parce que tout le monde, les internautes ne vont pas entendre. Oui, on n'est pas ici dans un cours scolaire avec un rapport professeur-élève. J'aimerais ne plus avoir à entendre. Je crois que le droit d'expression, il existe encore ici. Quand vous critiquez à longueur de séance la mandature Pélissard, les mandatures Pélissard, jamais on ne vous a dit « nous n'aimerions plus avoir à entendre ce genre de choses ». Donc le droit d'expression existe et laissez-nous encore nous exprimer au travers des différents conseils municipaux. Chère Anne. Ta fidélité t'honore, mais il y a juste un gros souci, c'est que ça fait 2 ans maintenant qu'on entend, que moi j'entends, mais mes camarades aussi,
la critique que vous faites sur le nombre d'études. Le nombre d'études, elles sont nécessaires parce que le boulot, vous ne l'avez pas fait avant et que le diagnostic n'a pas existé. C'est une réalité. Donc, si effectivement, dans le cadre du droit de parole, bien sûr que tu as le droit de parole comme tout le monde, encore heureux, on est en démocratie, mais sache que si les prochains retours sur la question des études, je saurai y répondre, chiffre en main, nom en main. Oui, monsieur Bois. Oui, alors, je pense qu'on ne s'est pas compris par rapport à Solia. Jamais j'ai remis en cause la qualité du travail de Solia. J'ai simplement été un peu surpris que... Parce que, faut être clair, d'emblée, ça a été une critique en règle du mandat précédent en choisissant sur les 50 pages que certains éléments. Nous, on pensait que sur cet aspect-là, il pouvait y avoir un consensus. Effectivement, au mandat précédent, on a sauté, quand je dis on, c'est Jacques Pélissard a sauté sur une occasion avec son poids politique. Il a réussi à faire rentrer l'once soignée alors qu'elle n'était pas éligible dans le processus l'once action cœur de ville. Et quelque part, parce qu'il y a eu cette opportunité, vous savez bien comment ça se passe, ces opportunités. On ne fait pas des dossiers pendant, on fait pas des études pendant 5 ans pour des opportunités. Cette opportunité, il y a même un ministre qui est venu, si vous vous rappelez bien, c'était Monsieur Ménard de Mézard, voilà, Monsieur Mézard qui était venu au moment où l'on se rentrait. Il y a eu des polémiques parce que Saint-Claude ne pouvait pas rentrer, etc. Et là, on a l'impression que d'une force, ça devient un boulet. Parce que quand on regarde l'étude de la Chambre générale des comptes, qui fait son travail, comme l'a dit Jean-Philippe Hulin, il fait son travail en tant que comptable, en tant que par rapport à une norme. C'est un document normatif. Ils répondent à ça parce que le législateur avait dit qu'il devait avoir ça et ça, forcément. Et à Lons-le-Saunier, comme dans d'autres villes, forcément, il y a des carences sur le pilotage, forcément, il y avait des carences sur le diagnostic. Et c'est le travail de la Chambre régionale de comptes de dire « Ah, le législateur a dit que vous deviez avoir ça, 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 vous ne l'avez pas. » Mais très bien. Mais ce qui aurait été quand même plus attendu de notre part, c'est dire « Effectivement, on a eu une opportunité au départ. » Au mandat précédent, on a sauté sur l'occasion, on est rentré dans le dispositif. Effectivement, il n'y a pas de diagnostic. Là, maintenant, on travaille dessus. Effectivement, on nous reproche des éléments de pilotage, des retards aussi actuels. En gros, il y a des éléments partagés, mais on avance et on va jusqu'en 2026 parce que personne... Là, heureusement que ça ne s'arrêtait pas en 2022. Qui croyait que ça allait s'arrêter en 2022? Ah ben, à part vous, nous, on savait que ça allait continuer. Donc, il ne faut pas faire du catastrophisme. De temps en temps, être un peu sur le consensus et puis on prend acte et je pense qu'on ne va pas aller plus loin ce soir, enfin, je l'espère, sur ce sujet-là. C'est bien de saisir des opportunités, mais c'est vrai que comme il n'y a rien eu de fait pendant 2 ans, l'opportunité n'a servi à pas grand-chose. C'est ce que dit la Chambre régionale des comptes. Quand il n'y a pas eu de chef de projet, elle dit que pendant 2 ans, il n'y a pas eu beaucoup d'éléments apportés à l'action cœur de ville. Donc voilà, c'est un constat. Ce constat de la Chambre régionale des comptes, j'y peux rien, c'est écrit noir sur blanc. Alors que ça ne vous plaise pas, on peut le comprendre, mais on a le droit aussi d'expliquer aux gens pourquoi on a pris du retard sur ce projet, parce que les 2 premières années, ça n'a pas beaucoup avancé. Et de voilà. Suivantes non plus. Voilà. Vous verrez la suite. Donc s'il n'y a plus d'intervention, on prend acte de ce rapport. Merci. On va passer à la délibération numéro 2, donc on reste toujours dans le poste, dans l'action cœur de ville, donc c'est le poste de direction. Donc c'est le financement pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, plan de financement. Dans ce cadre de la mise en œuvre de ce programme action cœur de ville, l'ANA s'est engagée à financer à 50% le poste de chargé de mission. Donc les missions confiées aux chargés de projet sont notamment assurer le suivi des études, rechercher et coordonner les différents partenaires, suivre la mise en place de la politique de l'habitat sur le territoire, animer les comités de projet, piloter et coordonner la mise en œuvre opérationnelle et financière des actions retenues au programme. Donc pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, la subvention prévisionnelle de l'ANA pour ce poste est évaluée à est de 20 368,43 euros, correspondant à 50% de son salaire. Donc il vous est demandé d'approuver ce plan de financement prévisionnel, de solliciter la subvention auprès de l'ANA et autoriser le maire à signer tout document. Si. Oui, monsieur Bois. Est-ce que c'est possible de nous confirmer, parce qu'on n'en sait rien, comme on a donné son nom tout à l'heure, c'est bien le poste de monsieur Lavier? C'est Adrien Lavier, oui. Oui, c'est ça. Oui, oui.
D'accord. C'est toujours lui, oui, tout à fait. Parce que c'est la quatrième année, là. Non, c'est la troisième. Il a été embauché en 1er janvier, enfin je sais pas si c'est 1er janvier, mais c'est en 2020. Oui, je sais, c'est avant les élections, parce que ça fait polémique pendant les élections qu'on avait embauché. Mais 2020, 21, 22, donc ça fait que 3 ans, pas 4. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité, merci. Délibération numéro 3, donc c'est subvention aux associations. Donc c'est des subventions qui viennent en complément de celles qui avaient été votées la dernière fois. Il y a des associations qui n'avaient pas rendu leur dossier complet dans les temps. Alors c'est vrai qu'avec la période Covid, il y a eu des associations qui ont été des fois un petit peu déstabilisées. Et puis des projets qui sont arrivés en cours d'année, comme ça arrive aussi. Voilà, donc il y a plusieurs subventions qui sont proposées, que ce soit dans le cadre de fonctionnement ou d'action spécifique. Donc il est proposé d'attribuer une nouvelle subvention aux associations suivantes. Dans le secteur animation, une subvention de 1 000 euros pour l'association Producteurs Réunis au titre de l'action spécifique Marché Festif. Donc c'est les gens qui organisent les marchés le mercredi après-midi et qui font venir des animations, notamment de la musique. Secteur culturel, c'est une subvention de 300 euros pour l'association 3A, atelier des artistes associés, au titre d'une action spécifique Exposition Pasteur à Ré-Sciences. Une subvention de 500 euros pour l'association des lycéens, étudiants, stagiaires, apprentis de lycée de Garfort au titre de l'action spécifique Forum Vivre Autrement qui a eu lieu ce week-end. Une subvention de 2500 euros pour l'association Expression de France au titre de l'action spécifique Fraternité France-Algérie qui aura lieu fin juin, début juillet. Une subvention de 1500 euros pour le théâtre des Petites Montagnes au titre de l'action spécifique Le Courage, Germaine Tillon dans l'Algérie en guerre. Une subvention de 4000 euros pour l'association Les Colorieurs au titre de l'action spécifique Chahut dans le ciel qui aura lieu donc sur le plateau de Montciel le dernier week-end d'août. Dans le secteur sportif, une subvention de 700 euros pour l'association LL Cyclo au titre de l'action spécifique Le Jura de Haut-en-Bas, qui aura lieu le jeudi de l'Ascension, donc le jeudi de la semaine prochaine. Secteur enseignement, une subvention de 1175 euros pour l'école élémentaire d'Olto, pour emmener des élèves à Chauneuve. Et dans le secteur social, une subvention de fonctionnement de 500 euros pour l'association Bien Vieillir Jalmav, et une subvention pour une action spécifique de la même association, au titre de l'action Formation initiale des nouveaux bénévoles. Enfin, une subvention de fonctionnement de 200 euros à l'association FNAT, sélection de Lons-le-Saunier. Voilà, est-ce que vous avez des remarques à faire sur ces propositions de subventions à différentes associations dans différents secteurs. Oui, Monsieur Sourd. Oui, bonsoir, Monsieur le maire. Simplement pour confirmation, puisque que ce soit Sophie ou moi-même, nous n'avons pas pu participer à la dernière commission, où on n'a pas eu le compte rendu, savoir si ces points avaient bien été analysés en commission ou s'ils sont proposés ce soir après la commission. Tout était proposé à la dernière commission. Alors, s'il n'y a pas eu de compte-rendu, il faudra qu'on corrige le tir la prochaine fois, parce que c'est vrai que ce serait bien qu'il y ait un compte-rendu qui soit fait à chaque réunion de commission. Merci de l'avoir signalé. On corrigera le tir. Monsieur Huélin. Non, je rebondis, parce que également, c'était en journée, je n'ai pas pu assister à la commission. J'avais aussi demandé qu'on puisse avoir les documents qui ont été étudiés lors de cette commission. Je ne les ai pas reçus. Ça concernait en particulier les projets déposés pour l'animation de la salle L'Ellipse. Je vois que ce n'est pas dans la liasse aujourd'hui, donc ça sera sans doute pour le prochain conseil municipal. Voilà, c'était seulement pour avoir les documents et pour me faire une idée. C'est un dossier que je connais assez bien. Merci. Alors, ce n'était pas le même dossier. Et puis, de toute façon, vous pouvez toujours aller dans les services et puis demander les dossiers. Vous avez le droit en tant que conseiller municipal. Non, n'hésitez pas. Venez à la mairie. S'il n'y a pas d'autres remarques, on va passer au vote. Si, M. Bois. Monsieur le maire, si vous ne voulez pas que M. Hulin ou que M. Sourd fasse une action au tribunal administratif, vous avez vu que vous avez écrit en écriture inclusive la délibération avec des réunis .e, .s. Ouais. Mais bon, c'était déjà envoyé avant le conseiller d'agglo. Là, on l'a fait remarquer
Bon, écoutez, si vous voulez aller au tribunal administratif pour ça, je vous laisse entière liberté. Ça non, mais c'est vrai que le tribunal administratif a des choses quand même plus importantes à traiter. Mais là, si vous voulez, c'est légaliste. Vous êtes légaliste. Vous avez dit, il y a des obligations légales. L'obligation légale, c'est une délibération ne doit pas être en écriture inclusive. Donc, quelquefois, le droit vous arrange, des fois, il vous dérange. Donc, cette fois, vous entendez, vous n'étiez pas au conseil d'agglomération, vous l'entendez de vive voix que l'écriture inclusive n'est pas autorisée dans les délibérations. Puisque vous êtes légaliste, M. Bois, je vous rappelle que l'exposé des motifs n'est pas un point légal. Seul ce qui est demandé à la fin, après délibération, est considéré comme légal. Oui, M. Bourgeois, on va passer au vote. Monsieur le maire, je ne participerai pas au vote pour mon implication. Ah oui. Okay. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 4, délégation d'attribution du conseil municipal au maire, application de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Par délibération en date du 4 juillet, dans le cadre de l'article L2122-22, le conseil municipal a délégué au maire en toute ou partie 29 attributions. Parmi celles-ci, la délégation concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres a été assortie d'une limite rattachée au seuil de transmission des marchés soumis au contrôle de légalité. Il est à noter que l'article L2122-22 ne pose quant à lui aucune restriction hormis celle de la disponibilité des crédits au budget. Il est proposé donc de modifier la limite posée par le conseil municipal en la liant au seuil de procédure formalisé par les marchés publics défini à l'annexe 2 du Code de la commande publique. Ainsi, la délégation sera sans changement pour les fournitures et services, mais plus étendue pour les travaux. L'alinéa 4 de la délibération est libellé comme suite. Prendre en toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget dans la limite du seuil défini à l'article D2131-5-1 du Code général des collectivités. Il pourrait être abrogé et remplacé par l'alinéa suivant. Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget, dans la limite des seuils de procédure formalisés pour les marchés publics définis à l'annexe 2 du Code de la commande publique. Cette modification constituera une simplification dans la gestion du processus de passation des marchés. En tout état de cause, en application de l'article du Code général des collectivités territoriales, le maire rend compte à chacune des réunions de l'Assemblée délibérante les attributions exercées par délégation. Il est demandé donc au conseil municipal, après délibération, d'approuver cette modification et dit que l'étendue de ces délégations est pour la durée du mandat. Bon, c'est une délibération très technique. Voilà, est-ce qu'il y a des commentaires par rapport à cette... Oui, Monsieur Sourd. Je profite surtout du cadre de la délibération pour vous faire remarquer que je suis assez étonné qu'en commission d'appel d'offres, la dernière fois qu'on s'est réunis, c'était le 8 juillet de l'année dernière, il me semble, elles ont toutes été annulées successivement les unes après les autres. Vérifiez, M. Barthelet, mais il me semble bien que la dernière était le 8 juillet. Donc, les autres c'était des audits. Les autres c'était des audits de dossiers. C'était pas des commissions d'appel d'offres. C'était pas des votes sur offre. Donc simplement, c'est normal. Ah, mais il y a eu d'autres commissions d'appel d'offres depuis le 8 juillet 2021. Apparemment, il y a eu trois réunions. Oui, M. Sourd, il y a peut-être un souci d'invitation, mais en effet, il y a eu plusieurs CAO depuis, pour lesquels vous n'étiez en effet pas présent ni excusé. Il me semble que les services avaient essayé de vous joindre au milieu des CAO, donc il y a quelque chose à vérifier. Mais il y a eu d'autres CAO, en effet, qui se sont réunis. Voilà, s'il n'y a pas d'autres commentaires, on va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 5, fourniture et livraison de produits d'entretien et nettoyage, résiliation du marché. La commune de Lons a passé pour l'année 2020 un accord cadre à bon de commande renouvelable 3 fois pour l'achat de produits d'entretien et de nettoyage. Ce contrat a été conclu dans le cadre d'un groupement de commandes avec le centre commun, le CCAS,
et l'AGLO. La commune de Lons, en qualité de coordinateur du groupement de commandes, a en charge l'exécution du marché. Le titulaire du lot 1, produit de nettoyage et petit matériel, n'est plus en mesure d'exécuter le contrat aux conditions économiques prévues, en raison de nouveaux coûts liés à la flambée des prix. La proposition d'une nouvelle tarification avec des variations de prix entre 10 et 25% dépassant les possibilités offertes par la clause contractuelle de révision des prix ne peut être acceptée, ni sur le fondement de circonstances imprévues, ni sur celui de la théorie de l'imprévision, les prix étant intangibles, tout comme la formule de révision. Donc face à l'impossibilité de poursuivre le contrat sans qu'il ne devienne inéquitable pour le titulaire, il convient de prononcer par avenant d'un accord commun avec le contractant et sans indemnité la résiliation au 31 mai 2022 du marché passé avec la société PLG domiciliée à Saint-Aignan-de-Grand-Lieu. Donc il est demandé au conseil municipal d'approuver cette résiliation. Donc c'est vrai, c'est lié à la flambée des prix, hein, donc on a choisi cette formule, on n'avait pas le choix. Il y aura un nouvel appel d'offres qui sera fait pas avant l'automne, parce qu'on a quand même des stocks suffisants pour tenir, en espérant que les prix diminuent, ce qui n'est pas certain. Par contre, ça va surtout nous permettre de mettre des clauses nouvelles dans cet appel d'offres, notamment prise en compte des perturbateurs endocriniens dans le marché public, possibilité d'intégrer un nettoyage de pré-imprégnation avec des objectifs d'utiliser notamment beaucoup moins de produits, 4 produits en théorie, donc beaucoup moins que ce qui est utilisé actuellement, prise en compte aussi des TMS et la formation des agents. Et puis gérer au mieux les stocks pour éviter d'avoir des stocks trop d'avance et puis d'immobiliser de l'argent inutilement. Donc finalement, on va profiter de cette occasion pour réorienter la qualité, améliorer la qualité des produits qu'on achetait jusqu'à présent. Donc un travail réalisé par M. Éric Sylvestre, responsable des achats. Voilà, est-ce qu'il y a des commentaires sur ce dossier? S'il n'y en a pas, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. On va passer dans le domaine sportif avec la création d'un circuit, de plusieurs circuits de fun trail sur le site du Solvant. Donc une convention entre la ville, l'agglo et le casino jeu propriétaire d'une petite partie du terrain sur lequel ces circuits passent. Donc c'est un projet qui est porté par les professeurs des PS de Saint-Exupéry. Et je vais passer la parole à Antoine Jaillet qui suit ce dossier avec attention, qui nous donne tous les tenants et les aboutissants de cette convention et d'expliquer un petit peu tous les circuits. Merci Antoine. Oui, bonsoir. Pour les élus qui étaient présents au conseil communautaire jeudi dernier, il s'agit du même type de délibération. Donc il faut savoir que les professeurs d'EPS du collège Saint-Exupéry avaient envie de modifier la pratique de la course à pied, notamment suite aux différents confinements, où ils avaient remarqué que les élèves étaient moins motivés pour courir. Il y a une pratique sportive qui était en baisse. Donc ils ont émis l'idée, en nous le proposant, émis l'idée de créer des parcours sur le site du Solvant où on a pas mal de végétation et surtout des anciennes déchetteries. Sur ces parcours, ils ont identifié plusieurs zones. Sur ces zones, l'idée c'est de faire 4 parcours avec plus ou moins de difficultés. Donc vous avez les 4 parcours en pièce jointe. Ces parcours sont donc de couleurs verte, bleue, rouge et noire. Et sur l'un des parcours, on empiète sur le terrain du casino et c'est pourquoi on a une convention ce soir en conseil municipal. L'idée de ces parcours, c'est de pratiquer le sport en cours d'EPS pour les collégiens du collège Saint-Exupéry, mais aussi les lycéens du lycée Le Corbusier éventuellement. Et puis ça peut servir également à la population, puisque les riverains, les habitants du quartier, les Lédoniens, les habitants de l'agglomération pourront se balader sur ces parcours qui sont dans des espaces verts proches de la ville. Donc si vous avez l'occasion, je vous conseille vivement d'aller y jeter un œil. C'est vraiment sympa à faire en balade, en famille. Même si effectivement, la piste noire, qui est actuellement celle qui est la moins tracée, c'est quand même très pentu. Elle s'adresse plutôt à des sportifs aguerris. Voilà, est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. On va passer à la délibération numéro 7. Donc on reste toujours dans le sport, création de terrain de basket 3-3 sur le site du square Edgar Faure. Donc dans le cadre de la politique de réhabilitation des espaces publics et plus particulièrement des squares et espaces loisirs
et de jeu, la ville a la volonté de créer 5 terrains de basket 3-3 sur le square Edgar Faure. Ce projet correspond à l'un des axes de développement de la Fédération française de basket, qui peut accompagner ce type de réalisation à l'extérieur. Afin de bénéficier de ce soutien qui se traduit par une prise en charge financière des buts de basketball, une convention entre la collectivité et le club de basket doit intervenir. Elle précise les droits et obligations de chacune des deux parties, ainsi que les actions d'animation sportive qui seront menées par le club. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention à intervenir entre l'ALL Jura Basket et la ville de Lons-Saussonnier pour l'utilisation des terrains de basket implantés sur le square Edgar Faure. Une petite précision, donc cette convention sera signée le 27 mai, puisque le président de la Fédération française de basket sera présent à Lons pour 2 jours dans le cadre d'un tournoi national de jeunes de 15 ans. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Délibération numéro 8, commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales, désignation de membres. Donc il fallait 3 titulaires pour la liste de la majorité et 3 suppléants, et 2 titulaires et 2 suppléants pour la liste de l'opposition. Donc il y avait eu des. Suite à la démission de personnes l'année dernière, il fallait revoir cette liste. Donc il est proposé de désigner comme suite les membres au sein de la commission de contrôle. Membre titulaire, liste majoritaire, Mme Marie-Pierre Maillard, Mme Claude Changarnier, suite à la démission de Mme Janin et Mme Botagici. Membre suppléant, liste majoritaire, M. Claude Borcard, suite à la démission de M. Hugal, M. Antoine Jaillet, Mme Mathilde Chambier. Pour la deuxième liste, donc membre titulaire, toujours Mme Chambaret, Mme Minot, suppléant, M. Sourd et M. Bois. S'il n'y a pas de question, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. On va passer à la délibération numéro 9, avance de trésorerie au Centre communal d'action sociale. Donc, le Centre communal d'action sociale de la ville de Lons utilise une ligne de trésorerie destinée à honorer les dettes dans les meilleurs délais au moindre coût. Au vu des difficultés financières conjoncturelles rencontrées par le CCAS et de ses budgets annexes, cette ligne de trésorerie n'est à ce jour plus suffisante. Afin d'aider le CCAS à honorer ses dépenses, il est proposé au conseil municipal d'accorder une avance de trésorerie remboursable d'un montant maximum de 2 millions d'euros. Cette avance de trésorerie est non budgétaire. Elle ne nécessite pas d'inscription de crédit au budget. Cette avance sera versée en fonction des besoins et devant rester provisoire, elle devra être remboursée avant le 30 juin 2023. Alors c'est vrai que le CCAS est un sujet dont on a déjà parlé à plusieurs reprises depuis qu'on est arrivé aux manettes. On avait souhaité une clarification dans le fonctionnement du CCAS, déjà par le recrutement d'une directrice, puisqu'il y avait 3 ans qu'il n'y avait plus ni de directeur ni de directrice. On a aussi respecté les préconisations de l'ANCOLS, l'Agence nationale de contrôle des logements sociaux, en par exemple calculant désormais les charges locatives sur les appartements de la résidence étudiant sur des frais réels et non sur les forfaits comme c'était fait précédemment. Et on souhaite également remettre un peu de l'ordre dans les finances du CCAS. 2 exemples, il y a des recettes qu'on dit constatées d'avance, des financements d'État pour des actions spécifiques, comme par exemple l'accueil des grands précaires, où l'État nous finance des fois 1 an ou 2 ans d'avance. Et ces recettes n'étaient pas isolées comptablement, ce qui fait que ça tombait dans le pot commun et n'était pas forcément orienté dans la bonne direction. On a constaté aussi des écarts importants entre les recettes budgétées et les recettes réelles, ce qui peut interroger sur le montage du budget. Je voudrais remercier Jean-Luc Lavier, conseiller aux décideurs locaux, pour son aide précieuse dans ses analyses. L'objectif qu'on s'est fixé, c'est de suivre au plus près les recettes et les dépenses qui sont liées à une action donnée et d'avoir une situation financière stable, contrôlée, maîtrisée, pour mener à bien les projets, parce que le CCAS a des projets importants, pour ne citer que la résidence Habitat Jeune, le futur EHPAD, et puis toutes les actions qu'on sera peut-être amené à mettre en place suite à l'analyse des besoins sociaux. Je vais passer la parole à Mme Blondel, directrice de CCAS, qui est avec nous ce soir, qui va nous donner aussi quelques éléments. Je passe le micro. Voilà. Merci.
Oui, bonsoir à tous. Ce que je vais vous présenter, c'est un petit peu, enfin, c'est le constat qu'on a fait là sur cette première année depuis mon arrivée. Je vais vous présenter les éléments, un constat financier, un constat organisationnel qui expliquent la situation actuelle. Comme l'évoquait Monsieur le Maire, donc le CCAS connaît effectivement des problèmes de trésorerie permanents qui sont principalement dus à une succession de résultats déficitaires qu'on a pu observer depuis l'année 2017. Deux analyses financières ont récemment été réalisées et démontrent ce fait. L'analyse financière réalisée par M. Lavier, conseiller aux décideurs locaux, qui était plus orienté sur une analyse des résultats. Et puis l'analyse financière réalisée par le cabinet Klopfer, qui a été réalisée en complément de l'audit sur les comptes de la ville de Lons-le-Saunier. Donc, ce qu'on observe par rapport aux résultats de clôture d'exercice sur la période 2017-2020, on constate une diminution moyenne des résultats annuels sur l'ensemble des établissements et services et pôles du CCAS de l'ordre de 440 000 euros par an. Cette évolution négative des résultats, elle a conduit au fil des années à une disparition du report à nouveau excédentaire qui permettait de maintenir l'équilibre financier du CCAS. Les exercices ont successivement été impactés par une évolution effectivement des dépenses qui n'a pas pu être couverte par une évolution des recettes dans la même proportion. Le cabinet Klopfer précise que les recettes de fonctionnement ont progressé de 1,5% sur la période 2015-2020, alors que les dépenses sur cette même période ont évolué de plus 6,8%. Donc à ce jour, on remarque également que les moyens qui ont été mis en œuvre afin de répondre à la crise sanitaire, on a eu des dépenses supplémentaires pour pouvoir gérer cette crise sanitaire. Ces dépenses, elles ont été importantes, elles le sont toujours aujourd'hui. Et on remarque effectivement les compensations financières des services de l'État n'ont pas été à la hauteur des engagements qui ont été pris au départ. On le constate notamment sur les EHPAD et plus particulièrement en ce qui concerne la revalorisation des salaires et des prix. Enfin, les revalorisations salariales en lien avec le Ségur de la santé et puis la prime grand âge qui a été attribuée à nos agents. Voilà. Également, ce qu'on a pu aussi observer, c'est les dépenses qui ont été impactées par le fait du rachat de la Châtelaine en 2018. C'est des dépenses supplémentaires qui ont été constatées notamment au niveau de l'entretien du bâtiment. On a effectivement été impacté par une mise en conformité du service du SSI, voilà, tout ce qui est sécurité incendie, on a réalisé un budget, l'impact budgétaire aujourd'hui est évalué à 160 000 euros, ce qui est quand même assez important. On a constaté aussi un dysfonctionnement au niveau du réseau d'eau et on a une facture d'un montant de 108 000 euros qui a été constatée en 2020. Et qui impacte en fait les budgets 2021 à 2023, ce qui explique les difficultés financières qu'on peut rencontrer voilà, sur ces éléments-là. Pour compléter ce constat financier très bref et rapide, j'en conviens, vous expliquez aussi les éléments organisationnels qui peuvent avoir conduit à cet état de fait. Le CCAS, jusque-là, était organisé en silos. Donc effectivement, l'absence de direction et cette organisation n'a pas favorisé une approche transversale et collaborative du pilotage, notamment du pilotage budgétaire. On a constaté aussi que le manque de moyens humains qui étaient dédiés à la gestion financière n'avait pas permis aussi de mettre en œuvre ces mécanismes de prévention qui sont nécessaires afin d'éviter la dégradation de la situation financière du CCAS. Également, en investiguant davantage, on a aussi mesuré la complexité des flux financiers, le manque de précision dans l'élaboration d'une comptabilité analytique qui ne nous donne pas accès aujourd'hui à une lecture claire et précise, vraiment très très détaillée, ça on n'arrive pas à l'avoir encore aujourd'hui. Voilà, on n'arrive pas à dire aujourd'hui dans quelle proportion les dépenses sont réalisées sur chacun des pôles et des services. Notamment la mise à disposition d'une partie des agents du CCAS aux collectivités, villes, éclats et syndicats mixtes ne permet pas d'identifier de façon évidente et claire la masse salariale qui est propre aux établissements et services du CCAS sur le budget principal. Voilà. Je vous passe.
Merci beaucoup, Mme Blondel, pour toutes ces précisions. Je vous rappelle que le CCAS, c'est plus de 16 millions d'euros de budget. Alors, la situation, elle n'est pas catastrophique, mais je pense que c'est le moment de s'intéresser, de ne pas attendre que la situation aille trop loin, puisque dès qu'il y a des rentrées d'argent qui ne sont plus là et des dépenses qui peuvent être supplémentaires, c'est vrai que ça fait l'effet ciseau et il faut l'éviter. Donc on a aussi réalisé des actions, la mise en œuvre du recrutement d'une directrice, donc Madame Blondel, que vous venez d'entendre, depuis le 1er juin 2021, qui a permis de conduire des objectifs prioritaires d'organisation des missions et de pilotage du budget. Les missions confiées aux différents pôles sont en cours d'évolution, notamment en matière de préparation et d'exécution du budget. Le travail collaboratif sur la préparation du budget 2022 a permis une évaluation des besoins au plus juste, ce qui n'était pas toujours le cas auparavant. La mise en œuvre d'un travail en toute transparence avec les directions des pôles et services du CCAS doit favoriser un pilotage plus fin de ce budget. La collaboration avec les services mutualisés a conduit à la mise en œuvre d'un pilotage des missions relatives aux ressources humaines et aux finances dans la transversalité. Donc on s'est rapproché, le CCAS s'est rapproché dans ces deux domaines, RH et finances, des services support de la ville. Actuellement, un travail est à l'œuvre sur le transfert de la compétence des finances du CCAS au service finances et contrôle de gestion Ville-Éclat pour pouvoir suivre avec plus de précision les flux financiers. Le lien étroit avec les services de la trésorerie permet d'apporter des éclairages tant sur la méthode que sur la stratégie de gestion du budget au regard de la situation actuelle. Un projet de mise en œuvre de prélèvement automatique des facturations, télé-alarme, portage de repas, loyer, est aussi en cours actuellement, parce qu'en général, on touche des recettes avec deux, voire trois mois de retard. Donc c'est vrai que c'est aussi là une trésorerie qu'on n'a pas et qui permettrait au CCAS d'avoir moins de problèmes. Les actions à venir, c'est la poursuite des travaux sur l'organigramme des pôles et services du CCAS qui est à l'œuvre. L'identification à l'origine de la perte de recettes, il y a certes des recettes qui ont été perdues, est-ce que c'est des demandes de subventions qui n'ont été pas faites? On a l'exemple par exemple du FCTVA, où il n'y avait eu aucune demande du FCTVA pendant plusieurs années. Alors sur le CCS, ce n'est pas des sommes importantes, mais 10 000, 15 000 euros, 20 000 euros, dans la situation où on est, c'est important. La recherche de financement complémentaire aussi, il faut qu'on aille chercher de l'argent partout où on peut en avoir. Peut-être qu'il y a des demandes de subventions qui n'ont pas été toujours faites complètement. Et puis la réalisation des deux analyses financières a permis d'apporter des éclairages sur la situation du CCAS, il apparaît aujourd'hui nécessaire de réaliser un audit permettant de mettre en lumière des propositions d'action concrètes. Donc on va se faire accompagner là aussi par le cabinet Klopfer qui avait fait la première analyse pour qu'il nous fasse une analyse plus fine et puis surtout nous orienter pour pouvoir prendre les bonnes décisions pour que le CCAS puisse continuer à bien vivre et mener les projets qu'il a dans ses cartons. Et puis permettre aussi au personnel de travailler en toute sérénité parce que forcément quand on entend il y a des petits soucis de trésorerie sur le CCAS, il y a des gens qui peuvent être inquiets. Je pense qu'on est là aussi pour les rassurer, pour leur dire que c'est notre rôle aussi, dans ces moments difficiles, de trouver les solutions et qu'on est à leur côté. Thierry, tu voulais rajouter quelques éléments, peut-être s'il y a des questions sur ce sujet. Il n'y a pas de questions. Et monsieur le maire. Pardon. Oui, moi je pense aussi qu'il faut que le CCAS continue à bien vivre, comme vous le dites actuellement. S'il y avait une vision globale, il y avait une vision globale qui était assurée par la présidence. Effectivement, c'était un fonctionnement en colonne. Bon, nous on avait un autre terme, mais je ne vais pas le reprendre. Effectivement, quand on voit ouvrir une ligne de trésorerie à 2 millions d'euros, de mémoire, hein, parce que je n'ai pas révisé avant de venir, mais de mémoire, en 2020, lié au Ségur ou lié au Covid, on avait ouvert une ligne de 400 000 euros. Je regarde notre comptable, c'est 400 000 euros qu'on avait ouvert. Hein. Non ? Oui, c'est ça. Donc on avait. Et puis quand vous avez autant d'interrogations, vous posez plein de questions. Mais on a peut-être changé de mandature, mais on a gardé le même service comptable. Donc, vous posez des questions en l'air, mais je pense qu'il faut aller voir vos services pour avoir des réponses aux comptabilités. Après, sur des points que j'ai entendus un peu pêle-mêle, mais moi, je suis intéressé pour avoir parce qu'on ne va pas délibérer tout ce que j'ai entendu à l'instant, mais je suis intéressé pour avoir un rendez-vous avec Madame la directrice pour qu'on parle un peu de certains sujets que je comprenne. Parce qu'il y a des budgets annexes. On parle de la châtelaine.
effectivement, quand on a racheté à Châtelaine, et ça fait polémique hein, à Montmoreau, soi-disant qu'on nous a bradé à Châtelaine. Mais il fallait certains effectifs pour que le pôle gérontologie... on dit que normalement, un EHPAD, pour qu'il fonctionne, c'est 200 usagers. On était loin avec Edilis. Hein, Edilis, je ne sais plus, 90 ou 92 usagers. La Châtelaine, il y en a 47. Donc, on était loin des 200. Donc, il fallait avoir une certaine taille critique. Donc, on a repris la Châtelaine, en se disant qu'on nous l'a donnée, parce que ça a fait polémique sur Montmoreau, je le rappelle. Et dès le départ, on savait qu'il y avait un souci d'eau. Dès le départ, on s'est occupé de la problématique de l'eau. Dès le départ, on a réglé le problème du SSI, d'ailleurs, qui me semble qui était un peu réglé par Montmoreau, de mémoire. Et ça a fait assez rouspéter la mairie de Montmoreau, parce qu'ils s'étaient engagés, c'est eux qui avaient signé. Enfin, normalement, c'est eux qui auraient dû payer. Hein. Si c'est nous qui avons payé, c'est un peu embêtant. Donc là, simplement, il y a un point que, quand je rencontrais Madame la directrice, si on pouvait aussi en préparer les reports à nouveau 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, non, c'est pas la peine. Mais si je pourrais les reports à nouveau, et puis ça sera intéressant de faire le point sur le dossier CCAS. Mais c'est vrai que 2 millions d'euros de trésorerie, c'est supérieur au budget, à la subvention de fonctionnement d'1,5 million. Ce n'est pas anodin, hein. Mais on verra à la fin ce qu'il en est. Merci, M. Bois. Je rappellerai que le rôle de président, ce n'est pas le rôle de directeur. Donc, effectivement, pendant 3 ans, c'était le président qui faisait office de directeur. Et je pense que ce n'est pas forcément la bonne solution, parce que pour moi, les deux orientations sont complètement différentes. On a discuté aussi avec la Chambre régionale des comptes, hein, qui ne comprend pas grand-chose dans les flux financiers entre le CSAS, la ville de Lons et l'agglomération. Donc, on n'est pas les seuls à avoir des difficultés de compréhension et de trouver les donc c'est d'autant plus difficile pour trouver les solutions. Sur le rachat de la Châtelaine, le dimensionnement, c'est pas de racheter un bâtiment indépendant où on met 35 personnes qui fait qu'on a une structure de 200 lits. C'est une structure, la Châtelaine, c'est l'EHPAD du département où il y a le ratio mètre carré par résident qui est le plus important. Et forcément, c'est une structure qui coûte un petit peu d'argent, bien que ce n'est pas là où on a le plus de problèmes financiers, hormis les problèmes suite à des travaux à refaire pour un bâtiment qui a été mis en service en 2005 et où il a fallu refaire tout le réseau, des gros travaux, notamment sur tous les circuits dans les salles de bain et puis aussi sur le service de SSI, le fameux SSI. Donc ça reste, ce qu'on peut regretter, c'est que c'est un bâtiment qui est récent et qu'il y a eu énormément de travaux réalisés sur ce bâtiment, alors que normalement, quand on fait un bâtiment neuf, je pense que pendant 20 ou 25 ans, on ne doit pas avoir de gros travaux. Ça doit être de l'investissement, il faut les payer quand même. Hein. Ce n'est pas le même budget, mais c'est quand même, la somme est quand même là, que ce soit de l'investissement ou du fonctionnement, il faut trouver les finances, et ce n'est pas logique sur un bâtiment aussi récent, il y a autant de problèmes. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Thierry, tu voulais rajouter quelques éléments sur le conseil d'administration du CCAS ? Oui, sur le fonctionnement du CCAS, pour donner une autre note sur ce que vit le CCAS aujourd'hui. La première chose, c'est se féliciter du travail et de la confiance dans le travail au sein du conseil d'administration. Tous les éléments qui sont discutés ici, évidemment, sont exposés au CA. Les administratrices et les administrateurs, je suis pour l'écriture et la parole inclusive. Parce que des fois, il faut faire évoluer les mentalités et il faut faire évoluer la société. Donc, je vais m'y plier. Et puis, ça ne me gêne pas de l'écrire. Donc, dans ce domaine-là, les questions sont toujours... les dossiers sont débattus. Et puis, c'est un réel travail de co-élaboration de l'ensemble des réponses aux problématiques discutées au CA du CCAS. La deuxième chose, c'est de souligner, et il faut le redire ici, l'engagement et l'investissement de toutes les équipes que dirige Madame Blondel sur tous les projets et toutes les actions du CCAS, et elles sont très nombreuses. Et l'avenir du CCAS, évidemment, nous le souhaitons tous ensemble consolider. Et cet avenir, il est maintenant, puis il va se construire demain. Alors pourquoi maintenant? Pour vous donner un peu l'actualité du CCAS. Il est extrêmement mobilisé sur l'accueil des réfugiés venant d'Ukraine, d'autant qu'il a
le rôle de coordonnateur départemental et local sur les missions d'accompagnement social des personnes réfugiées. Nous sommes en ce moment en plein lancement des rencontres intergénérationnelles sur le thème de l'art et les femmes. Le programme, vous l'avez eu dans vos boîtes à lettres, et c'est un travail ambitieux et extrêmement intéressant et innovateur qui est mené par le pôle Géronto et en particulier Madame Burden. Bientôt, nous ouvrons l'espace France Service, comme une des réponses à la fracture numérique qui est à l'œuvre, en complémentarité évidemment avec toutes les autres interventions sur le territoire et en particulier les associations sur l'accompagnement numérique des populations qui en ont grandement besoin. Nous travaillons sur le PEDT, lourd travail que pilote Sylvain Allary sur les rythmes scolaires et donc l'organisation et la réorganisation pour ce qui concerne le CCAS du péri et de l'extrascolaire. Nous travaillons également sous l'égide d'ECLA à la nouvelle convention territoriale globale de la CAF sur un programme qui touche l'ensemble des dimensions des politiques de l'enfance. Un autre dossier aussi sur lequel on n'est pas en difficulté, mais on l'avait prévu, qui nous mobilise, c'est la période d'été et notamment les vacances imprenantes. Pour info, l'an dernier, la ville de Lons a permis la réalisation de 163 séjours d'une semaine de vacances pour des enfants de la ville, dont 101 sont rentrés dans le dispositif vacances apprenantes. Pour ça, globalement, pour ce qui nous concerne, ce sont des enfants, des familles du quartier prioritaire de la ville. L'an dernier, la subvention globale du département que le département a eu de l'État pour les vacances apprenantes, 165 400 euros. Cette année, 50 000. À peine 30% de l'enveloppe 2022. Et nous sommes, nous, en train de réfléchir, parce que quand nous avons travaillé avec les services et avec monsieur le président du CCAS, c'est que la préfecture nous a interrogés sur quelles étaient nos ambitions pour l'été 2022, le droit aux vacances. Nous avons, alors la question était, est-ce qu'on s'inscrit dans les un tiers de ce qui avait été fait en 2021 ou est-ce que nous répondons aux besoins qui remontent, que nous connaissons, émanant des quartiers, et puis je vous parlerai de l'ABS tout de suite. Nous avons sollicité 200 financements, possibilités de départ d'enfants, d'autant que tous les acteurs de l'enfance, dont les structures qui organisent les séjours vacances, les associations telles les Pupilles, les Franca, ils sont en attente des réponses. Aujourd'hui, le gouvernement, il n'a pas bougé et l'ensemble des collectivités est en train de demander de revoir la copie. Donc voilà ce sur quoi nous sommes engagés. Et puis l'avenir, c'est demain. Demain, c'est le rendu de l'ABS. Alors oui, l'ABS est obligatoire, mais voilà, pour les collectivités comme les nôtres. Mais ce n'est pas seulement pour ça que nous l'avons fait, c'est ce que nous expliquerons dans les séminaires du rendu final demain. Nous avons invité une cinquantaine à peu près, Madame la Directrice, de partenaires associatifs et institutionnels. Pour mémoire, au premier séminaire, sur les 30 invitations qu'on avait lancées assez rapidement, 17 étaient présents en présentiel et en distanciel. De la DDSFPP à un ensemble d'associations comme les Franca, qui étaient extrêmement intéressés par le rendu de ce travail-là. Et demain, nous parlerons de l'option que nous avons détaillée dans les politiques que nous pourrions développer, un axe de réflexion particulier qui, justement, a été choisi à l'issue de la première partie de l'étude sociodémographique qui nous disait « Attention, sur ce domaine-là, il faut vraiment que vous vous y penchiez d'un peu plus près parce qu'il y aurait beaucoup de choses à faire. Cet axe de travail, c'est la jeunesse. Et cela a été choisi et préconisé par le cabinet qui nous accompagne
en comparaison avec des territoires similaires aux nôtres et de voir les actions qui sont menées sur les différents axes d'action. Alors, je finirai là-dessus en disant que le CCAS, il est déterminant dans la mise en œuvre du volet social du projet municipal. Et puis, inversement, la ville, elle sait s'appuyer sur le CCAS et ses équipes pour mener à bien l'engagement social de la municipalité. Et c'est pour ça que ce travail de restructuration, de compréhension, de transparence, nous l'attendons, nous le menons, parce que à l'issue de ce travail-là, l'objectif, il est simple. C'est tout simplement, avec les équipes, de mieux répondre à l'intérêt général pour maintenant, mais aussi pour les années à venir, parce qu'on sait que sur les projets dont a parlé M. le maire tout à l'heure et sur les actions en cours, la mandature actuelle n'y suffira pas. C'est pourquoi nous travaillons pour l'avenir dès maintenant. Merci pour toutes ces éclaircissements sur toutes les missions importantes portées par le CCAS et qui nous tiennent à cœur. Et c'est pour ça aussi qu'on veut que le CCAS ait les moyens de porter ses missions. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Merci. On va parler de relations humaines. Je passe la parole à bien-être au travail. Je passe la parole à Thomas Barthelet. Merci, Monsieur le maire. Oui, il s'agit de la création du Conseil social territorial et de sa formation spécialisée. Vous savez qu'il y a les élections professionnelles dans la fonction publique qui vont avoir lieu en fin d'année, le 8 décembre précisément. Du coup, on doit constituer, instaurer les instances. Autre nouveauté cette année, on a ce qui s'appelait le comité technique et le comité d'hygiène sécurité, CT et CHSCT, fusionneront au 1er janvier 2023 sous un nouveau nom qui s'appelle donc le comité social territorial, qui reprend intégralement en fait les mêmes missions. Donc en fait, ça, globalement, on peut dire que ça change pas grand-chose pour nous, ça change même rien. Et donc voilà, ce CT, CHSCT deviennent une seule instance qui est ce CST, donc voilà la nouvelle appellation. La délibération, vous savez aussi qu'on a créé une instance commune, on avait ces deux instances, c'était commune entre la ville et le CCAS, donc c'était un comité technique commun ville-CCAS, un CHSCT commun ville-CCAS. Et donc dans la délibération qu'on vous propose, on vous propose de créer ce comité social territorial toujours commun, pour traiter l'ensemble, pour être compétent sur l'ensemble des agents qui travaillent à la ville et au CCAS. Et donc on crée ce CST en commun. On instaure au sein de ce CST ce qu'on appelle du coup la formation spécialisée en matière de santé, sécurité, conditions de travail. Donc en gros, ce qui remplace le CHSCT. On maintient aussi le paritarisme employeur-employé, c'est-à-dire élu et représentant du personnel. Donc à égalité, de manière paritaire. On vous propose aussi de maintenir le nombre de membres qui jusqu'à présent, c'est-à-dire 6. Donc on a 6 membres pour représenter les élus et 6 membres pour représenter le personnel. Et donc ce CST sera amené à recueillir un avis qui, après, sur chaque sujet qui relèvera de ce comité social territorial, avant de passer les délibérations au conseil municipal, vous aurez à chaque fois, donc, on aura recueilli l'avis de ce comité. Voilà. Et puis, pour vous dire aussi que tout ce travail-là a été fait en concertation avec les organisations syndicales du département, qu'on a réunies le 5 mai dans nos locaux, pour discuter des modalités d'organisation des élections de décembre. Et donc, elles ont approuvé globalement notre organisation et cette proposition d'organisation de ce comité social territorial commun. Donc voilà, donc on vous propose de délibérer sur les éléments que je vous ai précisés. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération ? S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Merci. On passe à la délibération numéro 11, projet numérique. Oui, alors on change de sujet. On est sur l'ingénierie financière et particulièrement sur le numérique pour vous dire qu'on continue la transformation numérique
de la ville, de notre territoire. On avait, si vous vous souvenez, délibéré en juin 2021 pour répondre à un appel à projet de la région sur la transformation numérique. Pour lequel on avait répondu, on avait délibéré sur le principe de répondre à cet appel à projet. Donc voilà, là on avait délibéré avant de répondre à l'appel à projet. On avait été retenu parmi les premiers lauréats de cet appel à projet. Et ensuite on a passé au conseil municipal un certain nombre de délibérations déjà pour présenter les projets au fur et à mesure. Donc là c'est un peu la dernière délibération de ce type-là. Là, on vous propose trois opérations, donc une grosse et deux petites. La grosse, c'est ce qu'on a appelé le déploiement d'un hyperviseur urbain. En gros, il s'agit donc pour un montant de projet totaux à environ 470 000 euros, évalué, une estimation, pour lequel on sollicite donc là, c'est un plan de financement, on sollicite un financement de la région à hauteur de 49%, c'est-à-dire 230 000 euros. Et il nous restera encore à charge 51% sur lesquels je pense qu'on reviendra en délibération. On va compléter le plan de financement pour revenir avec d'autres cofinanceurs sur ce projet. Ce projet, c'est assez important, c'est dire comment est-ce que le numérique peut nous aider à être efficace, à améliorer notre efficacité énergétique. Il y a un gros volet sur l'éclairage des points lumineux. On a plus de 3600 points lumineux avec 130 armoires de pilotage. C'est un gros budget, un gros poste de non-efficacité énergétique pour nous, potentiel. Donc il y a un gros volet de ce projet-là, c'est d'utiliser le numérique pour améliorer la gestion, affiner la gestion de notre éclairage urbain, pour en améliorer l'efficacité. Et puis un volet aussi sur le fait de comment aussi mieux gérer l'efficacité énergétique dans nos bâtiments. On est propriétaire à la ville d'un grand nombre de bâtiments pour lesquels on a des consommations fluides dans tous les sens avec beaucoup d'usagers différents. Et donc il y a aussi tout un pan du projet qui consistera à utiliser le numérique pour améliorer l'efficacité de la gestion de ces énergétiques, de ces bâtiments. Ensuite, on vous propose pour un plus petit volet, pour environ 11 000 euros, d'améliorer la gestion, de passer à une gestion numérisée du cimetière. Là, c'est un certain nombre de projets pour faciliter la recherche, le fait de retrouver l'annuaire de nos concessions. Et puis de mettre aussi en valeur, on proposera dans ce projet, de mettre en valeur un certain nombre de tombes de soldats morts pour la France qui ne sont pas dans le carré militaire. Donc de proposer une visite améliorée avec l'application du souvenir français Géomémoire pour que ces soldats morts pour la France ne restent pas inconnus quand on se promène dans le cimetière. Donc voilà, on pourra les mettre en valeur avec une petite biographie en ligne. Et dernier point, dans le même registre, c'est en matière touristique, pour un montant d'environ 10 000 euros, de proposer des circuits patrimoniaux augmentés dans la ville, donc sur la base de petits flash QR codes qu'on mettrait sur un certain nombre de points d'intérêt de la ville, qui peuvent être d'ordre historique, d'ordre de l'ensemble de notre patrimoine. Donc on a un patrimoine culturel, on a un patrimoine historique, on a un patrimoine économique, on a un patrimoine naturel, on a beaucoup de patrimoine en fait. Et donc là c'est une proposition de mettre en valeur ce patrimoine en utilisant le numérique. Donc voilà, pour l'ensemble de ces projets, on propose d'approuver ces opérations et les modalités de financement, d'approuver les plans de financement prévisionnels, de nous permettre de solliciter la région pour l'ensemble de ces montants. À chaque fois, c'est donc 70% pour les deux petits projets et 49% pour le gros projet. Donc on vous demande l'autorisation de solliciter la région pour aller chercher ce cofinancement et puis donc de s'engager à prendre pour l'instant le reste en autofinancement, tout ce qui n'est pas couvert. Et voilà. Et on autorise bien sûr le maire à signer les documents afférents à ces opérations. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur ces projets numériques? Oui, Madame Chambaret. Ça y est. Oui, alors j'ai peut-être pas bien compris. Est-ce que vous pouvez m'expliquer concrètement ce qu'est un hyperviseur? Comment ça se présente? Quel type d'objet? Parce que bon, vu le prix, on va dire que c'est pas une paille, donc j'aimerais bien savoir exactement ce que c'est. Oui, c'est vrai que le terme.
reflète la réalité que j'ai essayé de vous décrire derrière, c'est que en fait c'est un projet de projet là. Et donc derrière ce projet-là, il y a l'idée de mettre du numérique dans un certain nombre de points physiques de notre ville, donc des bâtiments. Donc l'hyperviseur, c'est en gros de pouvoir centraliser la gestion d'un certain nombre de nos équipements. Donc ce qui est physiquement visible, ce qui sera physique réel, c'est dans un certain nombre de nos équipements, donc qui peuvent être des armoires électriques de points lumineux. Dans ces armoires, on va mettre des équipements qui nous permettront de gérer la consommation, de piloter la consommation et de bien mesurer la consommation et d'en gérer le pilotage à distance. Donc en gros, cet hyperviseur, c'est du matériel qu'on va mettre dans des points physiques pour mesurer les usages et les piloter à distance. Donc ça, c'est pour des points d'éclairage. Ça marche aussi pour les bâtiments. Et ensuite, après, ces données remontent dans ce qui finalement s'appelle cet hyperviseur, c'est-à-dire dans un système centralisé hébergé au siège, qui lui permet de gérer c'est un peu le tableau de bord, quoi, en gros. Pour simplifier, l'hyperviseur, c'est le tableau de bord qui remonte les données et qui permet de gérer la commande. Mais le gros des dépenses, si vous voyez beaucoup de dépenses, c'est parce que derrière, il y a du génie civil pour aller et des équipements à mettre on a 3600 points lumineux, on a 130 armoires. Si on doit équiper 130 armoires d'appareils, c'est en gros le gros des travaux, c'est ça. Aller mettre du matériel dans les 130 armoires qui couvrent tout notre territoire. Est-ce que ça répond à votre question sur l'hyperviseur ? Merci. Oui, je voudrais juste compléter un peu ce que tu viens de dire, Thomas. C'est une première étape, cette affaire-là. Après, ça permet par exemple de faire des expérimentations d'extinction, si on le souhaite, de quartier. Ça permet de surtout d'éviter que les agents se déplacent dans les 127 armoires lumineuses, enfin de gestion lumineuse, dès que on veut modifier, notamment en été, en hiver, au passage de été-hiver, il y a un petit quart d'heure où c'est dangereux le matin parce qu'on est entre chien et loup, ou le soir, et où jusqu'à présent les agents font les 127 les 127 armoires, mais à terme ça pourra permettre de piloter l'ensemble des points lumineux point par point. Il y en a 3600 sur l'Once. Il faut savoir qu'on aura une augmentation prévue de la dépense d'électricité de 50% sur l'année prochaine. C'est ce que nous rappelle notre fournisseur d'électricité. Et puis, comme le rappelle Monsieur le maire à l'instant à l'oreille, ça permettra aussi d'éviter de faire des gros travaux de génie civil parce que pour l'instant les travaux, les réseaux sont pas très cohérents, c'est des anciens réseaux d'Enedis, et quand on veut faire une modification, modifier l'éclairage sur un moment ou un autre de la journée, et ben en fait on a des choses assez illogiques, un quartier avec un petit bout, une rue spécifique d'un autre quartier et qui pose problème. Et en fait ça évitera, cette télégestion pourra éviter justement qu'on passe par des travaux de génie civil hyper coûteux et qu'on fasse ça au point lumineux de façon très précise et très pointue. Merci Anne pour ces précisions. S'il n'y a pas d'autres questions, c'est Monsieur Sourd. Donc oui, j'ai bien compris. On a bien compris que c'était un outil d'optimisation à la fois sur la ressource humaine, sur la gestion de technique aussi des équipements. Et du coup, vous avez calculé un retour sur investissement en termes de temps sur cette ligne-là. On va faire en deux étapes. Comme tous les projets qu'on mène, sur tous les projets d'ampleur, à chaque fois, ce qu'on a proposé à la région, et c'est aussi en partie pour ça qu'on a été retenu, ça s'appelle un projet, c'est une démarche itérative. Et donc, on va faire des points de test qui nous permettront vraiment de mesurer l'efficacité des systèmes. Et ensuite, on déploie. Donc, en fait, à chaque fois, là, tout ce qu'on vous propose, ça va se faire sur 2 ans. Donc c'est pas non plus quelque chose qu'on va faire sur l'année, sauf qu'on doit absolument valider les plans de financement avec les financeurs pour dire on s'engage sur ces opérations, et ensuite on va mesurer, vérifier les bonnes technologies, voir ce qu'elles nous permettent de faire,
les mettre en œuvre sur un sur certain nombre de sites pilotes. Et ces sites pilotes vont nous permettre de mesurer l'efficacité des systèmes. Et si les sites pilotes sont valides, l'efficacité qu'on attend, là, on aura le retour sur investissement voulu. Et là, on pourra passer au déploiement. Parce qu'à chaque fois, c'est vrai que c'est aussi ce qu'on a vendu. On dit, on veut utiliser la technologie, mais on ne veut pas utiliser la technologie parce que la technologie, c'est une fin en soi. On veut utiliser la technologie parce qu'elle apporte vraiment une amélioration du service. Et donc, c'est ces deux objets-là, à chaque fois, dans tous les projets de transformation numérique que je vous propose, il y a toujours l'idée que, un, on fait une démarche itérative pour valider que ça répond bien aux besoins, et ensuite, on déploie. Et surtout, on fait en sorte d'utiliser la technologie la plus adaptée à nos besoins et qui répond, qui apporte vraiment le service dont on a besoin et pas par rapport à... C'est vrai que le concept d'hyperviseur, il peut être un peu mal vu. Des fois, les grandes villes sont toutes lancées pour devenir des smart cities, justement à développer des hyperviseurs, ce qui peut être aussi des usines à gaz qui sont complexes à gérer. Et donc nous, ce qu'on vous propose, ce n'est pas une smart city, c'est une ville au bon sens paysan, on pourrait dire. Même si donc c'est-à-dire qu'on utilise la technologie efficace, de manière efficace. Donc voilà, ces mesures précises, ça fait partie de la démarche du projet. Pour vous répondre, M. Sourd. Merci, M. Hélin. Merci, M. Barthelet, pour les explications qui m'ont convaincu sur un point qui était obscur. Effectivement, hyperviseur, je ne suis pas sûr que le nom soit très bien choisi, mais ce que vous avez dit répond parfaitement à ce qu'on peut en attendre, et si la technologie peut nous aider à mieux gérer et à faire des économies, c'est parfait. Moi, j'avais un point justement sur des deux autres petits projets, c'est sur le projet de QR code. Est-il envisagé de jumeler des QR codes qui fleuriraient sur notre patrimoine bâti par des panonceaux peut-être plus restreints en nombre, mais qui permettrait aussi d'avoir un parcours patrimonial qui soit accessible à des gens qui seraient victimes de la fracture numérique et qui n'aient pas de smartphone, qui souhaitent, comme c'est le cas dans bon nombre de villes, alors c'est un des projets que j'ai laissé en jachère, j'ai pas pu le réaliser, mais j'y tiens quand même. Et je pense que ça serait bien de ne pas justement donner l'image d'accentuer la fracture numérique sur cette question patrimoniale. Je pense qu'on pourrait sélectionner un certain nombre de sites et que sur ces sites-là, il y ait effectivement le QR code, mais aussi une explication en texte qui serait la bienvenue. Je pense que c'est quelque chose que les services, en particulier les services d'archéologie, a déjà tout ce qu'il faut. Donc je pense que ça serait bien que ça ne soit pas dissocié, que ça puisse être fait en même temps et que le QR code soit sur ce panonceau. Voilà, c'est la suggestion que je vous fais. Merci, M. Hélin. On prendra note, M. Bois. Oui, deux petites remarques. C'est vrai qu'on se posait vraiment la question. Alors, on avait regardé que ça se faisait à Dijon, l'hyperviseur. Donc, bon, ça doit être bien si c'est à Dijon. Mais on se demandait même si ce n'était pas un centre de supervision urbain. On disait, tiens, auquel cas, il y avait un changement de pied. Puis peut-être que ça le permet, l'hyperviseur, de gérer les feux, les caméras. Oui, mais c'est ça. Une fois qu'on est au feu, on passe aux caméras. Parce que si on veut gérer les feux, il faut avoir des caméras. Donc ça, c'est ma première remarque. Et puis sur le côté itératif. Alors j'aime bien ce côté itératif, c'est le côté je reviens. Ben, prenez acte, monsieur le maire, et on n'y revient plus, que sur la délibération numéro 1, Action Cœur de Ville, c'était une démarche itérative. C'est comme là, il n'y a pas de diagnostic préalable, et on apprend en marchant. On va laisser les paroles à M. Bois. Je pense qu'il verra bien le résultat quand il y aura l'hyperviseur et que ce sera efficace et ça fera des économies. C'est vrai qu'on peut passer au vote. Oui. Dire, il y a le parallélisme. C'est vrai qu'on peut noter qu'on a le même volontarisme. En tout cas, c'est sûr qu'on pourra noter ce soir qu'on a très clairement un grand volontarisme de saisir toutes les opportunités qu'on peut pour coller à notre feuille de route de transformation numérique. On a une feuille de route de transformation numérique, on saisit les opportunités de financement, on a déjà identifié les points d'amélioration. Et donc, après, voilà, là, c'est les opportunités des dossiers qui étaient un peu dans les cartons, dans les services. Hop, on vend ça à nos partenaires financeurs. S'ils les acceptent, on continue à avancer. Donc là, c'est clair que c'est la volonté de saisir des dispositifs, ça, on ne pourra pas nous l'enlever. Oui. Rien que la gestion des points lumineux, c'est un peu... sujet fort important et qui sera intéressant aussi pour les employés municipaux. Allez, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je passe la parole à Willy Bourgeois. Merci,
Monsieur le maire, donc c'est le dossier, la délibération numéro 12. Je vous rappelle que le budget annexe résidence des tanneurs est clos depuis le 31 décembre 2021. À l'occasion du dernier conseil municipal, nous avons adopté le compte administratif de ce budget-là. Donc là, il vous est tout simplement demandé d'autoriser le transfert de l'intégralité de l'actif et du passif de ce budget tanneur au budget principal de la ville. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. On passe au dossier numéro 13. Délibération qui concerne la modernisation du système de vidéoprotection en centre-ville avec l'installation de deux caméras dédiées à la détection des plaques minéralogiques qui seront installées aux abords de la rue Jean Jaurès et rue Lafayette. Installation de 9 caméras dédiées cette fois aux entrées et sorties, donc accès de la place de la Liberté. Et 3 caméras qui sont cette fois remplacées à l'intérieur du parking Liberté, reliées au système général. Toutes ces opérations pour un montant d'un peu plus de 42 841 euros et qui bénéficieront de subventions, si vous autorisez cette délibération, auprès de l'État, à la fois au titre de la DETR et du Fonds interministériel de prévention de la délinquance, pour un reste à charge à la ville de 20%, soit de 8 568 euros. Donc, petite précision, les images de ces caméras ne changeront pas de lieu, elles se resteront toujours en interne à la ville, hein, comme c'est fait jusqu'à maintenant. C'était une volonté de du commissariat éventuellement qu'on leur transfère les images. Nous, on est contre ce projet. On gère nos images en interne. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Donc la délibération numéro 15, je vais m'en occuper puisque Madame Parézo n'est pas... Il y a 14... Ah, j'en ai oublié oui. Une, ouais. Oui. Oui, excuse-moi. Les deux feuilles étaient collées. Je leur passe la parole. Merci, Monsieur le maire. Donc délibération numéro 14 qui concerne le terrain multisport qui est installé à la Marjorie. Cette délibération concerne le plan de financement et de sollicitation des subventions. Je vous rappelle que c'était une promesse de campagne d'améliorer et de changer ce terrain multisport qui est très apprécié des utilisateurs. Donc le terrain servira à différents types de sports, mais notamment et essentiellement le football et le basketball. Le montant de l'opération s'élève à un peu plus de 66 766 euros hors taxes. Et nous avons une sollicitation de l'État, d'une part de l'Agence nationale du sport au titre du programme de 5000 équipements de proximité d'ici dans la perspective des Jeux Olympiques de 2024, à hauteur de 60%, et une demande auprès de la DETR pour un montant de 20%, ce qui permettra à la ville de bénéficier de subventions et pour un reste à charge de ce projet à hauteur de 13 353 euros. Donc nous avons là, sur ce conseil municipal, sur le quartier de la Marjorie, deux beaux projets de terrain multisport. Il a été présenté tout à l'heure avec les terrains de basket 3x3 et enfin ce terrain-là qui était existant mais qui nécessitait rénovation et même totale réfection. Oui, alors quelques précisions. Merci Willy. Ce terrain, il n'y avait pas de pare-ballon autour du terrain, donc on s'était renseigné pour éventuellement installer des pare-ballons. Ça coûtait à peu près 35 000 euros parce qu'on ne pouvait pas les installer sur la structure actuelle qui était ancienne. Donc finalement, on a choisi de réinstaller un terrain neuf. Et puis l'ancien terrain va être installé sur le site de Montciel, à côté du centre aéré. Il y a une surface qui est déjà goudronnée sur laquelle il sera installé, la structure sera installée. Donc, ce qui fait que le centre aéré de Montciel est satisfait aussi parce que ça leur permettra d'avoir une structure supplémentaire pour pouvoir faire des animations sur ce site. Et puis parallèlement, ça c'est la première action qu'on mène sur la zone Marjorie-Mouillère, mais on a d'autres, on est en train d'étudier pour réaménager d'autres sites qui puissent s'orienter vers d'autres aires de jeu qui puissent convenir à des garçons, à des filles, quel que soit leur âge, quel que soit
leurs conditions physiques ou autres. Donc il y aura une étude de menée pour qu'il y ait des complémentarités entre les différentes installations qui seront réalisées dans les années qui viennent. Donc c'est la première pierre à l'édifice sur la volonté qu'on a de mettre à disposition de la population des éléments de qualité pour pouvoir se distraire et notamment dans ce cadre-là faire du sport. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Donc délibération numéro 15 cette fois. Donc Nicole Parisot étant absente, je vais prendre la délibération. Donc le campagne, c'est pour par rapport au principe du recours à une concession de service public. Donc le camping municipal La Marjorie est exploité en concession de service public. Le contrat en vigueur arrive à son terme le 31 décembre 2022. Aussi, il convient de se prononcer sur le mode de gestion envisagé à compter du 1er janvier 2023. Différentes possibilités sont envisageables pour l'exploitation de ce camping, à savoir l'exploitation en gestion directe ou l'exploitation en gestion privée, comme c'est le cas actuellement. Au regard du caractère de service public qui revêt cette activité pour la commune et compte tenu du souhait de valoriser les atouts touristiques de la ville, il est proposé de conserver le mode d'exploitation actuel, soit la concession de service public. Les principales caractéristiques sont exposées au rapport joint en annexe. La concession de service public portera sur la gestion et l'exploitation globale du camping mis à disposition par la commune. Le camping situé 640 boulevard de l'Europe s'étend sur un terrain de 93 500 m² dispose de 192 emplacements, dont 23 locatifs, chalets et mobilhomes. Les missions à confier au futur concessionnaire concernent la gestion administrative et financière du service, l'accueil des différentes typologies de clients, la continuité du service tout au long des périodes d'ouverture, le maintien en parfait état de fonctionnement des ouvrages et la pérennisation du patrimoine de la commune. Le contrat pourra confier au concessionnaire à titre accessoire les soins de réaliser des investissements. En contrepartie de la mise à disposition de l'équipement, le concessionnaire versera annuellement à la commune une redevance d'occupation du domaine public et il se rémunérera par les services qu'il propose aux usagers et assumera les risques d'exploitation. Une durée de 10 ans est envisagée pour ce contrat, compte tenu des investissements qui devraient être demandés au concessionnaire. La mise en concurrence des contrats de concession est soumise aux dispositions du Code de la commande publique et une procédure de consultation sera engagée prochainement. En application de l'article L1411-4 du Code général des collectivités, la commission consultative des services publics locaux a été sollicitée et dans sa séance du 3 mai 2022, elle a donné un avis favorable au principe du recours à une concession de services publics pour l'exploitation du camping de la Marjorie. Donc juste quelques précisions, on s'est appuyé sur un cabinet extérieur hein, c'est pour nous accompagner aussi dans cette démarche, parce que c'est un dossier important, mais c'était aussi une obligation pour nous de relancer une procédure de cet ordre, voilà, où tous les gens pourront répondre, les gens qui seront intéressés pour la gestion de ce camping. Oui, Madame Chambaré. Question. Le cabinet, est-ce qu'on sait lequel oui, quel est là? Parce que c'est pas marqué là. Sur j'ai le nom, mais je Espelia. Voilà, merci. Et Patrick. Est-ce qu'on peut savoir combien avait coûté l'étude? 14 000 euros. Ouais. Parce qu'en fait, au bout du compte, on reste comme on était, c'est-à-dire qu'on reste en délégation. Oui. Sauf qu'on passe de 5 à 10 ans. Quoi. Oui, voilà. On augmente la durée parce que voilà. Comme il y aura des investissements à faire pour que le concessionnaire puisse voilà. Être sûr de rentrer dans son argent. Ouais. Ça répond à vos questions? Plus ou moins, c'est-à-dire qu'on reste dans le même étage. Bon, on ne va pas revenir sur les études, sur les sujets qui fâchent, mais... Bon, je trouve que ça fonctionne bien. Je ne sais pas si c'était nécessaire peut-être de faire une étude. On pouvait peut-être... Bah, c'était quand même intéressant d'être sûr de ne pas se tromper, même si effectivement, on a tout, actuellement, il fonctionne bien. Fonctionne mais on voulait bien. Être sûr de repartir sur des bonnes bases. Donc, c'était le moment ou jamais, puisque M. Constantin arrivait au bout de 33 ans de gestion. Donc, je pense que c'était aussi faire un point sur le fonctionnement actuel, être sûr qu'on était toujours dans la bonne direction. Finalement, la conclusion de l'étude nous dit qu'il faut continuer dans la même direction, donc on le fera. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Je passe la parole à Émilie Goujon pour la délibération numéro 16.
Merci, Monsieur le maire. Donc, une délibération comme la fois d'avant pour reconduction de l'opération Carte Avantage Jeunes. Donc, la dernière fois, c'était pour le Musée des Beaux-Arts. Là, c'est pour la ludothèque. Donc, à savoir un abonnement individuel et familial prenant en considération les soirées jeux tous les vendredis soirs. Donc, pour la saison 2022-2023. Est-ce qu'il y a des questions ? S'il n'y a pas de questions, donc Monsieur Willy Bourgeois ne vote pas, ne prend pas part au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Merci. Je vais passer la parole à M. Huelin pour sa question orale. Oui, Monsieur le maire. Votre majorité a voté le 15 décembre dernier le passage de la semaine de 4 jours dans les écoles de notre ville. Lors de ce conseil municipal, vous vous étiez incapable de répondre à nos questions sur les alternatives à mettre en place pour le mercredi matin, afin de permettre aux parents qui travaillent d'avoir une solution de garde pour leurs enfants. Comme d'habitude, vous avez renvoyé ce travail préalable à une commission. Pour ma part, je n'ai pas été invité à une réunion du groupe de travail école et aucun compte-rendu ne nous a été envoyé. J'ai pu me procurer un document de travail du COPIL PEDT du 15 avril dernier, mais qui n'apporte aucune réponse à nos questions. Alors que nous sommes déjà mi-mai, un grand nombre de familles aimeraient enfin avoir des réponses à leurs légitimes questions que je me contente de répercuter au sein du conseil municipal. Quelles sont les propositions de la ville alternatives au temps scolaire du mercredi matin ? Y aura-t-il une garderie dans les écoles ce matin-là ? Y aura-t-il des places supplémentaires en accueil de loisirs ? Si oui, dans quel accueil de loisirs ? Ces alternatives qui compenseraient un temps scolaire jusqu'alors gratuit seront-elles gratuites ou payantes ? Je vous rappelle que les employeurs exigent bien souvent un délai de 3 mois pour les salariés qui demandent un temps partiel à 80%. Il serait tout de même assez étonnant que votre majorité, qui met incessamment en avant le juste combat pour l'égalité femmes-hommes, contraigne des familles, et bien souvent des femmes, nous le savons bien, à opter pour un temps de travail partiel, subi, afin de garder leurs enfants le mercredi matin. Merci, M. Huelin, pour votre intervention, qui est l'occasion pour moi et pour Sylvain Larry, qui complétera, d'apporter les explications par la municipalité à toutes et à tous sur l'organisation suite à la mise en place le retour de la semaine de 4 jours. Je tiens dans un premier temps à remercier tous les services de la ville qui travaillent sur ce dossier, et puis en tant qu'élu, notamment Sylvain Larry, pour tout le travail réalisé. Je lui laisserai donc la parole pour parler du PEDT, dont l'objet est de proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité. Comme nous y étions engagés, nous travaillons dans la concertation, et nous avons travaillé donc dans la concertation avec les organisations représentatives du personnel et avec les agents. Ils ont tous été conviés, mardi 10 mai, à une réunion au cours de laquelle on leur a fait des propositions sur les nouveaux horaires, horaires qui avaient été préalablement travaillés par les services et où ils ont été exposés. Suite aux échanges et aux remarques qui ont été faites lors de cette réunion, il y avait plus de 60 agents. Des aménagements ont été réalisés pour modifier quelque peu ces horaires. Et pour information, ces horaires seront débattus à nouveau et seront surtout validés le 19 mai prochain en comité technique. Avant de laisser la parole à Sylvain Allary, qui va répondre à vos questions, je rappellerai 2 points. Nous doublerons le temps de travail et de préparation des animateurs. Nous prévoyons également des réunions collectives régulières entre les ATSEM et les services de la ville, ce qui n'existait plus. Et comme nous nous y étions engagés en lançant la concertation sur les rythmes scolaires, l'accueil du mercredi sera assuré de 7h15 à 18h30 et permettra donc à chaque parent d'organiser son travail comme il le souhaite. Je passe la parole à Sylvain Allary. Oui, merci Monsieur le maire, merci Monsieur Huelin pour ces questions, parce que c'est effectivement, ça nous permet de valoriser l'important travail qui est fait actuellement par les services et par le pôle enfance. Et je tiens vraiment à remercier l'engagement de tous, et notamment les participants au comité de pilotage sur l'écriture du projet éducatif de territoire et sur donc ce retour à 4 jours. Donc par rapport à vos questions. Les propositions alternatives pour l'instant, donc, comme Monsieur le maire l'a dit, c'est de toute façon, on garantit l'accueil des enfants le mercredi sur l'ensemble de la journée et dès le mercredi matin à partir de 7h15, comme c'est le cas aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'était un engagement et on s'y tiendra. Il n'y aura pas de garderie dans les écoles le mercredi matin.
D'accord. Donc on est sur de l'extrascolaire et les deux lieux d'accueil extrascolaires qui pour l'instant répondent, c'est la maison commune et le centre aéré de Montciel. D'accord. Et donc le dimensionnement de cet accueil sera effectué au regard des inscriptions. Donc voilà, je vous ai répondu notamment les quatre premières questions sur la facturation aux familles. C'est un travail qui est en cours, d'accord. Rien n'a été acté. C'est un travail qui est mené actuellement avec Madame la directrice du CCAS. Et donc, nous allons avoir un œil attentif sur cette répercussion. Voilà, je pense avoir répondu en partie. Pour le comité de pilotage, donc Madame Chambaret a participé à ce comité de pilotage. Le prochain devrait avoir lieu tout début juin. Encore une fois, comme Madame Chambaret avait émis le souhait de participer, si vous souhaitez, vous serez le bienvenu et on vous transmettra une convocation. Madame Chambaret. Merci. Oui, juste, on avait parlé du mardi matin, je crois, pour ce comité de pilotage. Si ça pouvait rester le mardi matin, ça m'arrangerait par rapport à mon travail. L'autre fois, c'était vendredi, je n'ai pas pu venir et je le regrette. On va essayer de caler ça un mardi matin. Oui, pourquoi pas. Oui. Après, c'est vrai que c'est extrêmement difficile, vu le panel de personnes qu'on touche, de contenter tout le monde, mais on essaiera, bien entendu, de faire au mieux. Merci. Voilà, on est arrivé. Merci Sylvain. On arrive au terme de ce conseil municipal. Est-ce qu'il y a des remarques par rapport aux arrêtés qui ont été pris depuis le dernier conseil municipal? S'il n'y a pas de remarques, eh bien merci à toutes et à tous. Merci aux internautes qui nous ont suivis ce soir. Et je vous rappelle que le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 27 juin. Bonne fin de soirée à toutes et à tous. Merci.